Je fais pas le Vlogmas, qui est une vidéo par jour au mois de décembre. Je trouve ça le fun de commencer à filmer des trucs de Noël au mois de novembre. Comme ça, ça vous fait plus de vidéos de Noël. Ça vous donne le temps aussi de vous inspirer peut-être, de vous donner quelques idées. Pour moi, le Vlogmas, c'est un petit peu trop intense vu que je travaille à temps plein. J'ai comme pas le temps de faire une vidéo dans le jour vu que je travaille. Puis après ça, éditer pour le lendemain. Fait que je trouve que c'est une belle façon de faire plusieurs vlogs de Noël. Puis je pense que l'année passée, vous aviez vraiment aimé ça. Fait que c'est ça, je suis full contente de vous retrouver. La semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo, j'ai tombé malade. Puis on est encore en train de s'installer, là, veux pas, à la maison. J'avais prévu filmer mon coin café, là, pour l'automne, comme j'avais fait le salon pour l'automne, puis l'extérieur de la maison pour l'Halloween. Mais c'est ça, j'ai vraiment manqué de temps, là, avec le déménagement, mais c'est sûr que l'année prochaine, j'aurai full de temps pour commencer les vidéos d'automne plus tôt, puis en faire vraiment beaucoup, décorer la maison et tout. Mais comme on déménageait à l'automne, c'est un petit peu moins évident cette année. Mais là, c'est sûr qu'on va mettre les tablettes, puis on va décorer pour Noël ensemble, là, le coin café, la maison et tout. Je veux bien sûr mettre le sapin avec vous, faire des recettes de Noël, faire les cartes de Noël. Je vais aussi emballer mes cadeaux, vous parler de peut-être qu'est-ce que je vais donner cette année comme cadeau de Noël. Puis aussi les petites épiceries de Noël avec les produits spéciaux pour Noël, j'aime vraiment ça. Puis si vous avez d'autres idées, dites-moi là en commentaire, là, ça va me faire plaisir d'intégrer ça dans l'horaire là, pour les vidéos, pour mon contenu de Noël. Juste avant de commencer à vous parler là, des magasins que j'ai visités là, pour aller voir la déco de Noël, je voulais aussi vous dire qu'à la fin de la vidéo, je vais inclure qu'est-ce que j'ai reçu comme cadeau pour ma fête de Simon. Donc je vais vous parler de tout ça plus vers la fin de la vidéo parce que j'avais eu des commentaires là, de certaines de mes abonnées qui aimeraient voir ce que j'avais reçu comme cadeau pour ma fête. Puis je me dis, ben c'est sûr que ça peut vous donner des idées là, peut-être pour des trucs de Noël aussi là, des fois pour des cadeaux ça peut être vraiment le fun. Donc là j'ai sorti déjà mes tasses de Noël le 1er novembre. J'ai switché mes tasses, j'ai enlevé les tasses d'automne dans mon coin café, puis j'ai mis mes petites tasses de Noël. Fait que ça, c'est une que j'ai achetée là, que je vais vous parler tantôt. Puis c'est ça, ça me fait full du bien. Je mets de la musique aussi de Noël, des petites playlists de Noël sur ma télé. En attendant de pouvoir décorer pour Noël. Fait qu'on va décorer ensemble pour Noël le deuxième week-end de novembre. Puis je vais voir si j'ai le temps de tout décorer en une seule journée ou non. Peut-être pas, là, je vais peut-être faire ça en deux week-ends, juste parce que je veux faire le salon, le sapin, le coin café, peut-être un petit peu mon bureau, je sais pas encore, là, mon bureau, il y a encore des boîtes qui traînent, fait que peut-être que non. Puis peut-être un peu l'extérieur aussi de la maison. Puis pour revenir au week-end que je vous parlais, dans le fond, cette année, c'était mes 30 ans qu'on a fêté au mois d'octobre. Puis on s'est fait un beau petit week-end à Mont-Tremblant, on est allé au spa. J'ai mis des photos là, sur Instagram un petit peu, là, je vous mettrai ça à l'écran. On est allé, c'est ça, Simon avait réservé un beau condo, puis on est allé dans le village de Mont-Tremblant. On a passé une journée au spa, on s'est fait masser, on a mangé des sushis, c'était vraiment une super belle fête qu'il avait prévue pour moi, c'était comme une surprise là, que je m'attendais pas. Et moi j'avais demandé, pour mes 30 ans, j'aurais aimé ça, aller magasiner de la déco de Noël aux États-Unis. Puis dans le fond, on va aller, je me suis fait comme une liste de magasins que je veux aller voir la déco de Noël, donc ça va être surtout pour de la déco et pour des cadeaux de Noël aussi que je vais en profiter là, pour regarder tout ça. Puis j'ai fait aussi une liste de restos que j'aimerais aller, donc je pense que ça va être full cool. Je vais vous amener avec moi pour vlogger pendant tout le week-end, puis ça va vous permettre de voir un peu de la déco qu'il y a aux États-Unis, fait que je pense que ça va être vraiment le fun. Sinon, ben aujourd'hui, dans le fond, je vous présente différents magasins dans lesquels je suis allée récemment pour voir la déco de Noël. Je vous avoue que cette année, il y a tellement de déco de Noël dans les magasins, c'est fou. J'ai commencé même il y a quelques semaines déjà, au mois d'octobre, il y avait déjà de la déco de Noël. L'année passée, il y en avait beaucoup moins, même l'autre avant aussi, là, je pense qu'avec la pandémie, je me souviens, j'allais dans des magasins, puis on était rendu quasiment au mois d'octobre, mois novembre, puis il n'y avait aucune déco. Ça avait été long avant que ça l'arrive, puis il y avait beaucoup moins de déco disponible, mais cette année, c'est complètement fou, là, la déco qu'il y a. Fait que c'est super le fun, mais dans le fond, comme j'ai vu que la vidéo s'en venait vraiment longue,
Ce que je vais faire, c'est que je vais comme inclure justement les magasins que je suis allée récemment dans cette vidéo-ci. Puis, on va se garder quelques magasins aussi qu'on va pouvoir aller voir là, dans les prochaines semaines, dans les vlogs de Noël. Fait que je pense que ça va être cool là, quand je ferai des vlogs, j'irai voir différents magasins en même temps. Puis, je vais inclure ça un peu là, au lieu de faire une seule vidéo déco de Noël dans les magasins. Je vais inclure ça dans les prochains vlogs. Donc aujourd'hui, je vous montre la déco de Noël que j'ai vue au Simons, au HomeSense, au Winners, au Indigo et un petit peu au Michaels. Michaels, je suis allée là, il y a quelques semaines, fait que c'est sûr qu'on va retourner plus tard. Sinon, dans les prochaines vidéos, j'aimerais ça aller justement au Michaels, j'aimerais ça aller au Canadian Tire. Ils ont tout le temps des super belles décos, là, surtout pour le sapin de Noël. Ils ont plein d'ornements vraiment cool. Sinon, la boutique Ricardo, j'aimerais vraiment ça l'année passée ou l'autre d'avant, j'étais allée puis j'avais trouvé ça super beau. Ça m'avait donné des idées aussi, là, et décorer les tables de Noël et tout. J'aimerais ça aussi aller au Walmart, au Dollarama, puis aussi au Maxi. Maxi, ils ont vraiment de la belle déco là, de Noël. Puis, en tout cas, ça va être un peu là, les prochains magasins que je vais aller voir. On commence avec un magasin que j'incluais pas dans mes dernières vidéos de Noël, d'achat de déco ou quoi que ce soit. C'est le Simons. J'aime beaucoup le Simons, autant pour les vêtements que pour la section maison. Ils ont tout le temps des belles affaires. Puis, dans le temps de Noël, c'est encore mieux. Là. Il y avait tout plein de choses. Il y avait aussi des tables de Noël décorées. Puis il y avait des ornements de Noël, puis aussi beaucoup de choses pour la table, des napkins, des nappes, des napperons, des petites décos qu'on peut mettre sur la table, plein de choses. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Ça peut être cher parfois, là, faut regarder. Cette année, ils ont plusieurs modèles de petites maisons. J'adore les petites maisons blanches, là. Je trouve ça trop cute. Ils en ont plusieurs. Il y en a même une que c'est comme un espèce de pot, là, style pot à biscuits, là, vraiment grosse. Ils ont des beaux petits ornements aussi, là, en vitre, là, quand on veut quelque chose de spécifique pour quelqu'un. Je trouve que c'est une belle place à aller. Si vous cherchez un petit cadeau d'hôtesse, je trouve que le Indigo, ils ont vraiment des belles choses. Ils ont des super belles tasses, mais ils ont aussi des petites boîtes de biscuits, des petites boîtes de chocolat
plein de trucs pour se faire un petit bar à chocolat chaud. Je trouve que c'est vraiment une belle place pour des petits cadeaux comme ça. J'ai même vu des bas de Noël au Indigo. Je me souvenais pas d'en avoir vu dans les dernières années. Ils étaient vraiment beaux. Puis sinon, ben, ils ont des super belles cartes de Noël. Moi, c'est là que j'ai acheté les miennes cette année que je vais vous montrer tantôt. Thank you.
ensuite le Home Sense, j'adore le Home Sense et là c'est vraiment là, le magasin que je suis rentrée là, je suis allée deux fois à deux Home Sense différents, puis c'était complètement fou la déco qu'il y avait. Il y avait des tables et des tables et des tables de déco de Noël, des rangées et des rangées. Il y a tout ce qu'on peut vouloir là, au Home Sense, vraiment, ça vaut super la peine si vous aimez les décos de Noël d'aller faire un tour. Ils ont des ornements de Noël, ils ont de la déco, ils ont de la vaisselle, ils ont plein de choses vraiment, c'est super beau, des couronnes, des guirlandes de Noël. Fait que ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Cette année, là, il y avait tout plein de choses, fait que je vous montre ça maintenant. Thank you.
Thank you.
passe ensuite aux Winners. Je suis allée là, brièvement, mais il y avait quand même beaucoup de choses aux Winners que je suis allée. C'est sûr que c'est plus un magasin de vêtements, mais ils ont toujours une petite section là, de trucs de Noël que des fois on retrouve pas au Home Sense. Ça dépend, des fois il y a des trucs qui se répètent, mais des fois il y a des petites choses, là, des petites trouvailles qu'on voit pas au Home Sense. Je trouve que ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil là, si vous êtes allé au Home Sense. C'est sûr que le Home Sense c'est comme la place pour les décos et la vaisselle de Noël, mais Winners ça peut être le fun d'acheter un petit coup d'œil aussi. Le Michaels, je suis allée quand il y avait encore de la déco d'automne, de la déco d'Halloween. Fait que c'est sûr que je vais vouloir y retourner prochainement, voir qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils ont rajouté de plus. Mais il y avait déjà des super belles décos de Noël, fait que je vous montre ça. Thank you.
maintenant ce que j'ai acheté quand je suis allée dans les différents magasins. J'ai pas acheté beaucoup de choses juste parce que je savais qu'on allait pour le week-end aux États-Unis, fait que je voulais regarder en premier qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis, puis après ça peut-être compléter. Mais tu sais, on s'entend que j'ai déjà beaucoup de tasses de Noël, j'ai déjà beaucoup de déco de Noël, fait que j'ai essayé de me retenir comme je savais qu'on allait aller magasiner en plus bientôt. J'ai quand même acheté quelques tasses de Noël, bien sûr vous me connaissez, fait que j'ai pris celle-là ici que j'ai vue au Winners. Je la trouvais vraiment cute, c'est genre un petit ugly Christmas sweater. Puis je la trouvais, c'est ça, vraiment le fun, vraiment cute. Fait que j'ai fait mon petit café dedans ce matin. Ensuite, quand je suis allée au HomeSense, ben j'ai acheté deux petits trucs. Fait que j'ai pris cette belle chandelle-là ici. Je la trouvais vraiment originale, je n'avais pas vu des comme ça avant. Puis il y a des petites cannes de bonbons tout le tour. Elle est vraiment grande, puis elle sent la canne de bonbons aussi. La menthe, là, un peu... c'est ça, canne de bonbons, puis elle vient dans un super bel emballage en plus avec une petite corde, fait que je trouve que ça serait vraiment un beau petit cadeau d'hôtesse aussi, mais moi je vais l'utiliser comme déco là, à la maison. Quand j'ai vu cette tasse, j'ai pas pu m'en empêcher au HomeSense aussi, je la trouvais super belle, j'en avais vu des tasses comme ça là, avec un transparente, avec un petit truc à l'intérieur au Indigo, que je vous ai montré là d'ailleurs. En magasin ou Indigo, il y avait seulement le petit cadeau de Noël, mais en ligne, il y a aussi le petit bonhomme en pain d'épices que je trouvais trop cute. C'est sûr qu'ils sont plus chers ou Indigo, puis ben, quand j'ai vu celle-là, je pense qu'elle était comme 9$. Puis je la trouvais vraiment belle, le petit sapin il est super cute. C'est sûr que c'est des petites tasses qu'il faut faire vraiment attention, il faut laver à la main. Ils sont super fragiles, vraiment minces. Quand on met du café dedans, ben on voit plus ce qu'il y a à l'intérieur, mais je la trouve trop belle. Pour un thé aussi, une petite tisane un petit peu transparente, on va voir plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, au Simons, j'ai pris deux choses. J'ai pris je sais même pas comment ça s'appelle, c'est un porte-couronne que je vais pouvoir mettre sur ma porte d'entrée. Rouge comme ça avec une belle étoile. J'ai ma couronne que j'avais achetée dans les dernières années au HomeSense, qui est une belle couronne avec des genres de petits bleuets, puis elle est verte et bleue. Fait que ça, je trouvais que ça fitait moins avec le rouge, fait que je vais essayer de trouver peut-être un petit porte-couronne plus neutre aux États-Unis, mais celle-là, je voulais la mettre avec la petite couronne que j'ai achetée en ligne au Simons, que je vous montre maintenant. Donc ça, c'est la couronne que je me suis achetée cette année. Donc comme ça, je vais en avoir deux. Je vais pouvoir les mettre sur mes portes. Puis, elle est vraiment simple. Je la trouvais vraiment belle. Il y a plein de petits brillants, là, ça fait comme un effet de neige. Puis, il y a juste quelques petites cocottes dedans, mais comme vraiment remplie, là. Fait que je la trouvais super belle. Puis, on peut mettre aussi des batteries, puis elle s'illumine. Toujours au Simons, j'ai pris ce beau calendrier de l'Avent, là, que je trouve... trop cute, comme ça ici. Puis je le trouve trop beau, on peut le suspendre comme ça. Puis ce que je trouve vraiment le fun avec ce calendrier de l'avant-là, c'est qu'il y a des grosses pochettes. Fait qu'on peut mettre quand même quelque chose là, d'une bonne taille. Souvent, c'est des petites portes en bois, puis on peut pas mettre grand-chose. Fait que là, l'idée, c'est que je voulais faire un beau petit calendrier de l'avant pour Simon. Puis j'ai déjà commencé à acheter des petites surprises. Fait que je vais sûrement vous en parler là, dans une prochaine vidéo quand que je vais comme tout assembler ça. Je vous montrerai là, ce que j'y mets dans le calendrier, mais je trouvais que c'est vraiment une bonne idée, comme ça je vais pouvoir le réutiliser d'année en année. Ensuite, j'étais allée dans une friperie où est-ce qu'il y avait beaucoup de petites décos de Noël, puis j'ai pris ce beau petit sapin-là ici. Il était 2,99$. Ah c'est ça, c'est Village des Valeurs que j'étais allée. J'ai pas filmé à ce moment-là, mais c'est ça, j'ai pris des petits trucs de Noël, fait que je les trouvais trop cute, comme ça. Et j'ai pris ce beau petit bonhomme de neige, que je trouvais vraiment beau. Il était quand même 4,99$, mais dans le fond, c'est comme pour mettre, par exemple, le lait en haut et le sucre. Donc, je me suis dit, ben peut-être même en petite déco, là, sur mes tablettes de mon coin café, ça serait vraiment cute. Au Indigo, j'ai acheté mes cartes de Noël, donc, comme je vous disais tantôt, qui ressemble à ça ici. Donc, c'est un ensemble de 15 cartes avec enveloppe. Donc, j'en ai pris deux boîtes. Je vais sûrement en avoir pour les prochaines années, là. Je vais sûrement en avoir trop, mais j'aime ça en avoir quand même plusieurs. Je vous parle maintenant de ce que j'ai reçu comme cadeau pour ma fête, pour celles que ça intéresse. C'est ça, on est allé pour un beau week-end au Mont-Tremblant, spa, sushi, ça a été super le fun. On a un autre beau week-end de prévu pour le magasinage de déco aux États-Unis. Fait que je suis full gâtée juste avec ça, là, vraiment beaucoup. Mais Simon m'a donné des cadeaux en plus de ça, il sait que j'aime beaucoup les cadeaux, fait que je vous en parle.
Mon premier gros cadeau, c'était d'aller voir Michael Bublé au Centre Bell avec des super bons billets dans les premières rangées là, sur le parterre. Ça a été vraiment une belle soirée. Puis il m'avait fait des petits papiers là, qu'il me donnait là, dans une boîte comme 2-3 jours avant ma fête avec des indices puis pour essayer que je devine là, c'était quoi mon gros cadeau. Puis ça a été super difficile à trouver, mais finalement j'ai réussi à trouver quand j'ai eu tous les indices ensemble. Fait que j'étais super contente, ça a été une belle soirée. Je vais vous mettre des photos puis des petits clips là, de mes différents cadeaux. Ensuite, je lui avais demandé comme ça, là, en espérant que peut-être je recevrais la machine à café filtre de Smeg. Je la vois passer depuis des années sur Instagram, surtout en beige, mais aussi en blanc. Je la trouve trop belle. Nous autres, on avait une petite machine à café là, qu'on a gardée, mais vraiment tout petite, là, qui fait comme 2-3 tasses là, de café filtre. Puis je trouvais ça le fun d'avoir quelque chose d'un petit peu plus gros quand on reçoit pour faire plus de café. Fait que c'est une machine à café filtre bien standard. Il y a quand même des petites options le fun là, qu'on peut jouer avec, là, mais c'est surtout pour le look que je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en blanc pour qu'elle fit aussi avec ma bouilloire. Ensuite, on avait un beau diffuseur d'huile essentielle que j'avais reçu en cadeau d'ailleurs, mais qu'on avait brisé malheureusement. Puis j'aime ça, là, pouvoir mettre différentes huiles essentielles. Quand je fais mon ménage, ça sent bon dans la maison. Donc c'est le beau diffuseur 2-3 fois par jour. Je suis full contente. Il est super beau. On peut mettre soit qu'il allume juste d'une lumière, qu'il allume pas de lumière, ou les lumières qui s'alternent. Fait que je trouve ça super le fun. J'avais déjà des huiles essentielles. Fait que je l'utilise souvent. Ensuite, un petit cadeau pratique. En faisant les boîtes là, dans notre appartement, pour se préparer au déménagement, il y avait un plateau de service en marbre vert que j'avais acheté au HomeSense, qui est comme en 2 étages, puis tout ça pour dire que ce que ça prenait pour le faire tenir, là, ça marchait plus, là, c'était brisé. Effectivement, on m'a racheté les petits embouts là, que je vais pouvoir utiliser. Il y a différentes couleurs, puis je vais pouvoir réutiliser mon beau plateau. Ensuite, Simon m'a donné la tasse du Starbucks du Canada. Il m'avait donné celle du Québec à Noël. Donc, quand on voyage, j'aime ça les collectionner, puis acheter les tasses là, aux différentes places qu'on va. Puis j'avais vu là, qu'il y avait celle du Québec, du Canada, mais je les avais pas achetées parce que j'étais comme « on habite ici » puis tout ça, tu sais. Mais je suis full contente de les avoir dans ma collection, fait que j'étais vraiment contente de la recevoir. Il m'a aussi donné une carte cadeau pour différents restaurants, là je pense que ça s'applique à 2-3 restaurants. Ça c'était quand même drôle parce que c'est un cadeau qu'il a retrouvé, en fait il a acheté ça il y a comme je pense 4 ou 5 ans, qu'il m'a dit, puis quand on sortait ensemble, puis c'est un cadeau qu'il avait comme égaré, puis en faisant les boîtes, ben il l'a retrouvé, fait qu'il l'a rajouté dans mes cadeaux, fait que ça va être le fun pour pouvoir se faire une petite sortie au restaurant. Fait que ça fait le tour de mes cadeaux de fête que j'ai reçus de Simon. Il m'a super gâtée cette année. J'étais tellement contente. Des belles surprises, des beaux week-ends de prévus. Puis il y en a encore un autre qui s'en vient avec le concert de Michael Bublé que j'avais jamais vu en concert. Puis j'étais super contente. Ça a été une vraiment belle soirée. J'ai reçu plein de beaux cadeaux aussi. La machine à café, ça faisait des années que je la voulais. Fait que j'ai super été gâtée cette année. Donc c'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé aller dans les différents magasins voir la déco de Noël. On va aller en voir plus dans les prochaines semaines. J'espère que vous êtes contente aussi du début des vlogs de Noël. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis super contente. C'est vraiment mes vidéos préférées à filmer. Dans les prochaines semaines, on va aussi décorer pour Noël. Puis je vous amène avec moi aussi pour le week-end aux États-Unis. Fait que dites-moi dans les commentaires, c'est ça, s'il y a des trucs que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines dans mes vidéos de Noël. Puis je vous dis un gros merci. À bientôt!